Alors, le Club des ambassadeurs est une idée originellement lancée de façon très intelligente par Brigitte Barège en 2012. En fait, le but, c'est de réunir autour de ces ambassadeurs toute une série de chefs d'entreprise. La question, c'est de... Est-ce qu'en fait, le plus dur, c'est de faire ou de faire savoir ? Qui, mieux que les gens qui travaillent, qui vivent, qui négocient dans le territoire, sont mieux à même de pouvoir impulser une dynamique ? Donc en fait, ce Club des ambassadeurs, on a décidé de le reprendre en main. Le président original était Louis Gallois, ancien président de l'aérospatiale, ancien président de la SNCF, né à Montauban, famille de Montalbanais, et qui a donc donné cette impulsion. Et aujourd'hui, on a pensé que le moment était venu de travailler le faire savoir. La ville de Montauban est une ville particulière puisque sont nés à Montauban trois gros opérateurs du monde de la communication. Au-delà de Philippe Labro, on oublie qu'il est montalbanais, on a par exemple le patron de France Bleu Périgord, Henri Stassinet, qui est de Montauban. On a le patron de la rédaction d'RTL, qui est de Montauban, Philippe Rey. Et on a enfin l'homme idoine, Jeannot Rességuier, le commentateur sportif d'RMC, qui est de Montauban. Et donc, on a décidé, autour de ces trois partenaires, de pouvoir impulser cette dynamique et pouvoir créer du lien et du liant. L'idée, c'est de concevoir la vie économique comme un tissu de fraternité, de solidarité, comme un tissu de gens qui se retrouvent en étant en capacité de pouvoir vendre notre propre territoire. Donc, au-delà d'un business que ces gens font ensemble, au-delà de la connaissance du territoire qu'ils ont, ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir exporter cette information. Dire qu'en fait, vivre, négocier, construire, développer de l'économie à Montauban, c'est créer un territoire qui soit un territoire où il fait bon vivre, un territoire où on retrouve de la culture. Pourquoi vient-on s'installer dans un territoire ? Mais parce qu'on y trouve une piscine, parce qu'on y trouve des infrastructures, parce qu'on y trouve la culture. Nous venons de faire l'un des plus beaux musées de France. Parce qu'on y trouve du foncier accessible, parce qu'on y trouve de la mobilité. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut arriver à articuler. Et donc tout ça doit être vanté, non pas que par les femmes et les hommes politiques qui sont là et qui ne font que passer, mais par les gens qui vivent le territoire, qui travaillent sur le territoire et qui doivent vendre notre territoire avec cette idée de la fraternité, de la solidarité, de l'amitié et de la convivialité.